Frères et sœurs, shalom. Avant de lire sur Robert Kiyosaki, commence d'abord par lire sur le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le premier et le meilleur entrepreneur de tous les temps. Il a créé l'homme à son image et a investi le souffle de vie en lui. Avant de lire Père riche, Père pauvre, commence par lire Proverbe Ecclésiaste. Tu comprendras que l'homme riche se croit sage, mais les pauvres qui sont intelligents le sont. S'il y avait possibilité de choisir un seul écrivain ou auteur de livres sur la richesse, je porterai mon choix sur Jésus-Christ. Car dans son livre, il affirme que l'or et l'argent m'appartiennent. Mon choix est clair, courir auprès du propriétaire de l'or et l'argent et demeurer à ses côtés, plutôt de passer mon temps auprès de ceux qui prêtent et s'enrichissent, mais périssent les lendemains. Je ne suis pas ici pour battre campagne contre l'entrepreneuriat ni contre Kiyosaki, mais seulement vous rappeler que Proverbe 22:4 dit « Les fruits de l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire. » Je suis Miracle Béni Référence, jeune chrétien. Shalom. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Miracle Béni TV.